Are you alone? Ah. How long? How long are you staying? Well, come and see us. Quand on est planqué quelque part, le premier qui téléphone, c'est toujours lui. Il est avec sa fille. Il lui fait visiter la côte. Il a une fille? Il faut croire. You look terrific. I'm fine, and you? You look pretty good yourself. Tu sais ce qu'on dit toujours. Ce vieil Harry, il est toujours le même. Dis bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous? 18 ans. Et ça coûte combien cette merveille? Cher. Il dit que vous n'avez aucun talent. Rien. Tu es merveilleux. Tu me parles souvent des autres et Harry, rien. Pas un mot. Parce qu'il n'y a rien à dire. Renoncer à la littérature définitivement. Oui. Oui, je crois que c'est ce que tu avais dit à faire. Quand on plombe l'un de ses fleurs, c'est ce qu'il aime par-dessus tout. Il proteste, il dit, mais non, c'est ma fille. En espérant bien qu'on ne le croit pas. Je vais la réveiller. Tu te permets? Toi aussi, tu t'es baigné? Oui. Je croyais que vous n'aimiez pas l'eau. J'aime la mer. C'est la fille d'Harry. Ça t'excite. Pourquoi tu vas pas dormir? Pauvre petit con. T'as jamais rien pu contre moi. Alors tu t'attaques à ma fille. Elle a 18 ans. C'est plus facile. Tu es jaloux? Allez, j'ai trop bu. J'ai une crampe, j'ai mal à l'estomac. Arrête. Mon père, comment est-il mort? Inspecteur Lévesque, de Marseille. Mais tu sais, les vêtements d'Harry, ceux qu'on a trouvés au bord de la piscine. L'inspecteur dit qu'Harry ne les a sûrement pas portés ce soir-là. Qu'est-ce qu'il en sait? Ils étaient propres. Pas de sueur. Rien.